Hello. Perhaps we could settle down a bit, and perhaps we could sit down without being too difficult. We've got a short amount of time for a very big topic. I am Stephen Erlanger. I'm now the London bureau chief of the New York Times. I'd been in Paris before that. I've been in Jerusalem and Palestine before that, and Bangkok before that, and Moscow also, and Berlin and other places. And it's a great privilege to be here. Also, it's fun to see lots of old friends, and some of them are sitting with me here. This will be a very much, I think, a bilingual panel, so prepare yourselves. And I just wanted to set this complicated stage a bit. In a way, we've been thinking a lot about Iran. I covered the revolution there as a young correspondent, and I have great affection for it. And like many people, one wants to see a new relationship with a safer, more moderate, and if I can quote the ambassador, less extremist Iran. It would do a lot for world confidence. The talks in Geneva did not go very well the last 4 days, which makes everyone nervous. And it is true that the White House has added a bit of angst to the relationship overnight with putting more companies on a sanction list, which Iran has said is against the spirit of the Geneva Accord. And perhaps Iran has a point there. But Iran is one of the keys to this region, but we also have the tragedy of Syria, we have the confusion of Egypt, we have the abortive, perhaps, revolution in Tunisia, we have problems of extremism, we have problems of the après-guerre in Libya, which has created all kinds of problems for Mali and other places. And I think what we'll try to do is deal with some of these issues as best we can with this very good panel. The BBC recently had a list of things it thought was surprising about the so-called Arab Revolution. And I have some questions, too, I just want to throw out. One, for instance, is the Sunni-Shia thing serious? Can it be contained? Is the US no longer calling the shots in the region? Is anyone listening? Is Russia coming back into having some influence in Egypt, bringing back old memories of the Aswan Dam? What happens to the Muslim Brotherhood? It's not going to go away. How weak has Hamas become? Have the Kurds found a great present in all of this chaos? Are they building a state under everyone's noses? Have the Turks realized having neighbors means having problems, and the only way to have no problems is to have no neighbors? And of course, one of the things I think we've seen too is in this move for mastery in the Arab world and more democracy, have women been helped by this, or are they somehow suffering from what has happened? I think these are all interesting questions. But first, I wanted to start with Masoud Ahmed of the IMF. I think the economics of the region are a crucial to understand the turmoil there. And so as we go along, if you could speak 6-7 minutes, and then we'll move on from there, please, Mr. Thank you very much, Steve. Thank you all. Thank you for inviting me, for organizing this discussion. But I think as you laid out in your introduction, the Middle East itself is different groups of countries going through very different experiences right now. So there are countries in crisis, countries that are oil-rich countries that have a different set of issues, countries that are what I would call in transition, mostly oil-importing countries, Tunisia, Morocco,
Jordan, Egypt. And each of them has a different set of issues. I want to focus particularly on the oil importing countries in the region. Why? Because I think they are now going through a very difficult transition, which has reached almost a turning point. Now, we know that 3 years ago, these countries have been hit by three kinds of shocks. Their principal trading partners, Europe, went into stagnation. There was conflict, Libya first, Syria, which had spillover effects on the others. The impact of Syria on Jordan and Lebanon already is quite significant. And then there was the domestic political change, sometimes coming with upheaval, which has also been turned out to be more protracted, more contentious than anticipated. Responding to these crises, these governments tried to spend their way out of it by trying to spend more on jobs, subsidize energy, subsidize food, create public sector wage increases. 3 years later, where are we? Well, where we are today is that most of these countries find themselves between a rock and a hard place. On the one hand, their populations are impatient because they haven't seen the gains from the changes they were anticipating, the political changes they hoped. Unemployment today is about 2 million young people more in these countries than was the case 3 years ago, and those that are working have seen their income stagnate. Private sector confidence is still distant out there. Private sector is still waiting for things to settle down, so the recovery isn't happening. And since they've tried to spend their way through this, they're now running out of money. So their ability to continue to finance the subsidy bills that they've done for the last 3 years is now much more constrained. Egypt, for example, is running a budget deficit of about 14% of GDP, which is about $3.5 billion a month. Simply can't afford to do that, even with the help it's getting from other countries. So they're, and yet the governments find it very hard to take the decisions that would transfer money from subsidies to creating jobs, which is the number one priority right now for young people. Because societies have become so polarized politically that that's also spilling over in terms of the ability of governments to take difficult decisions. So what can we do now to go forward? I think there are three things that can be done. First, there has to be a focus on trying to give young people particularly some hope by giving them some opportunities for employment in the near term. That means reallocating some spending towards job creation. Some of it will have to be public sector in the short term because the private sector is simply not there. But it also means additional help from the rest of the world in trying to match what governments themselves are able to do to create jobs. Second, there has to be a discussion about what kind of future economic model this is going to come after the stabilization phase. The reason why people came out on the streets 3 years ago, apart from political sense of wanting more dignity, wanting more fairness, was also a sense that there weren't enough jobs being created, and the jobs that were being created were going to people who were connected, rather than the gains of growth being shared more broadly. To have that discussion about the future means changing the way in which business is done in many countries. That discussion is still very much in its early stages because governments are focused primarily on stabilizing the macroeconomy rather than on fixing the underlying economic structure. So that's the second element that I think needs to be done. And third, I think it's very important to broaden out the conversation from governments to include other parts of society, because increasingly in these societies, it is not possible, no matter how well thought through your economic agenda or economic plan, to actually try to impose that rather than to build a consensus around that. And to build consensus today is particularly hard because of the degree of polarization in these societies. But unless one can try to isolate and build a common economic agenda, even when there are divisions about other political and societal dimensions, it's going to be very hard to move from stabilization to growth. So I wanted to focus on those. There is, of course, what is going on in Syria, which is a tragedy for people in Syria, economic consequences of which are already manifest
for them. But I think for this discussion, it'd be useful to focus on that group of countries. Thank you, Mr. Ahmed. Next, I'll go to my old friend, Renaud Girard, who's a grand reporter pour Le Figaro, who's been on the ground from time to time in many of these places. And I think Syria is much on your mind. So, Renaud, s'il vous plaît. Oui, en fait, je m'interroge aujourd'hui pour savoir comment, pourquoi on s'est autant trompé. Comme ça, oui, c'est bon. C'est mieux. Pourquoi on s'est autant trompé sur la Syrie? On s'est trompé, puisque vous vous souvenez que même Hillary Clinton, après l'attentat monstre à Damas le 18 juillet 2012, avait dit que le régime en avait que pour quelques semaines. On s'est trompé, j'étais dans l'Adrar des Ifora, c'est au nord du Mali, en mars dernier, et les soldats français qui ratissaient étaient tombés sur un djihadiste tunisien. Et donc, ils parlaient français, ils ont pu l'interroger, et lui ont demandé « Mais pourquoi tu nous fais la guerre, toi ?» Il a dit « En fait, je n'étais pas programmé pour vous faire la guerre à vous, je devais partir en Syrie. » Mais au dernier moment, mon billet d'avion pour la Turquie a été annulé et on m'a envoyé faire la guerre là. Et donc, au gré des aléas logistiques, ce djihadiste est devenu l'ennemi de la France, alors que s'il avait été combattre à travers la frontière turque à Alep, il aurait été l'allié objectif de la politique française. Et vous avez vu que ce matin... le général Idriss, dont on nous a dit au Quai d'Orsay, grand bien, combien de fois les ministres, les directeurs de cabinet m'ont dit que c'était un homme formidable, qu'il fallait aider un grand général, eh bien son état-major a été entièrement ravagé par des brigades islamistes, les brigades les plus radicales, celles qui détiennent nos journalistes en otage, et ils se sont emparés de toutes les armes que les Américains et les Anglais leur avaient livrées. Et donc, si demain, un Boeing est détruit par un missile que la CIA a fourni à la rébellion syrienne aux abords de l'aéroport Kennedy à New York, on saura à qui s'en vendre. Donc, je pense que l'échec, il est patent. Alors, quelles sont les raisons, cher Steve, de cet échec? On peut se demander. Je pense qu'il y a une part, pour moi, il y a trois raisons. Il y a l'ignorance historique, il y a le manichéisme politique, et il y a le wishful thinking diplomatique. L'ignorance historique, je crois que nos dirigeants n'ont pas saisi le fait que en Syrie, il y avait depuis très longtemps une profonde ligne de fracture entre un parti, je dirais, laïciste et un parti, disons, frère musulman, qui avait analysé en son temps Michel Seurat, qui est pourtant pas suspect d'amitié pour le régime. Dans la constitution syrienne, vous avez que le président doit être un musulman, c'est une concession qu'Hafez el-Assad avait fait au milieu d'Alep en rébellion contre l'idée d'une constitution laïque. L'ignorance historique, c'est de croire de ne pas se souvenir que nous, Français, nous avons été pendant 26 ans à essayer d'inculquer la démocratie, le parlementarisme à la Syrie et que nous avons deux gouvernements de gauche en 1925, en 1945, ont bombardé Damas parce que visiblement la leçon ne prenait pas. D'ailleurs, c'était à peu près les mêmes quartiers que nous bombardions, Midan, la Ghouta, etc. C'est à peu près les mêmes quartiers qui sont aujourd'hui bombardés par l'armée de la dictature de Bachar el-Assad. Le manichéisme politique, c'est de croire, et Cameron a dit récemment, il a parlé à la BBC, vous pouvez regarder ça sur vos, c'est posté, « good boys and bad boys ». C'est-à-dire qu'on a tendance maintenant dans la politique à dire que la guerre se fait entre les gentils et les méchants. Et vous vous souvenez, on nous a expliqué toute la guerre des Balkans. Comme ça, c'était alors les Balkans, il y avait les méchants Serbes et les autres étaient des gentils. Mais quand parmi les gentils, on a commencé à se massacrer, alors c'était très difficile à expliquer. Par exemple, c'était très difficile à expliquer que, par exemple, deux gentils, c'est-à-dire les Croates qui étaient des gentils,
allait massacrer des musulmans à Mostar, par exemple. C'était très difficile à expliquer. Pourquoi ? Parce que, en fait, le journalisme a été, je pense, touché par l'hollywoodisation. Il y a eu une sorte d'hollywoodisation du journalisme. Parce que, pour expliquer une situation aussi complexe que la complexion syrienne, où vous avez des Kurdes, tu l'as dit, des Druzes, des Ismaéliens, des Sunnites, des Chiites, etc., des Alaouites, ou pour expliquer les Balkans, eh bien, c'est beaucoup plus facile dans une relation télévisuelle de 2 minutes à la télé américaine de dire « there's the good guys, the bad guys, the bad guys are slaughtering the good guys, and our government doesn't do anything ». Voilà, ça fait un bon papier télé. Mais ça n'explique pas, et je pense que les gouvernements, et quand j'entendais Cameron parler des good guys et des bad guys en Syrie, ils ont repris, ils ont été imprégné de cette hollywoodisation du journalisme. Le wishful thinking diplomatique. Nous avons fermé notre ambassade à Damas alors que nous avions accueilli en 2008 Bachar al-Assad aux Champs-Élysées. Nous l'avons fermé parce qu'on a anticipé. On a dit, ben, voilà, ça va faire plaisir à ceux qui vont venir. Ils vont venir juste après parce que Juppé, tout le monde disait, c'est fini le régime. On s'est privé. On s'est privé d'un outil très précieux, premièrement pour connaître le terrain, puisqu'on avait une ambassade très importante avec des services secrets très importants sur le terrain, et deuxièmement, on a laissé aux Russes la seule possibilité de diplomatie. C'est une erreur énorme. On fait de la diplomatie avec ses ennemis, pas avec ses amis. Demain, nous pouvons fermer notre ambassade à Copenhague. Ça n'aura aucun. Et aujourd'hui, vous avez vu que les services secrets français ont envoyé 2 agents en Syrie pour essayer de coopérer avec les Syriens pour savoir quels sont les djihadistes qui combattent, d'origine française, qui combattent en Syrie. Les Syriens ont dit, bah, écoutez, rouvrez votre ambassade, on verra après. Et ce wishful thinking diplomatique, et j'en ai fini, ce wishful thinking diplomatique, on le retrouve dans notre position pour la conférence de Genève 2, vous savez, qui va se faire en fait à Montreux, fin janvier, où la position de la France et des Occidentaux était de dire très bien, le gouvernement peut être, puisque le gouvernement n'a pas perdu la guerre, donc au contraire, bon, très bien, le gouvernement est admis, mais il faut que Bachar ne soit pas là. Mais comme aurait dit le général de Gaulle, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Bachar incarne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Bachar incarne le pouvoir en Syrie, et de vouloir commencer une négociation en disant lui il est exclu, ça n'a pas le plus petit début de sens. En revanche, on peut dire que peut-être la fin de toute la négociation serait d'avoir comme résultat espéré que Bachar renonce à se présenter en 2014 pour un nouveau mandat à la présidence. Et donc, voilà, mon cher Steve, okay, où on en est en Syrie. Je pense que ce matin, on ne pouvait pas avoir de plus mauvaises nouvelles que cet investissement de cette armée syrienne libre qui, en fait, représente rien du tout par rapport aux milices islamistes. Merci, Raymond. You have fans. You have fans. I remember when Mr. Sarkozy welcomed Mr. Gaddafi as well, and look how that turned out. This is the thing that always struck me about Syria. Why, since we knew that Gaddafi would have won without NATO intervention, did we think Assad would lose with no NATO intervention, running a bigger, more powerful state? So this makes me turn to Basma Kodmani, who has been working for a democratic, just Syria for a very long time, who was part of the Syrian National Council, who then left it. And I just throw the floor open to you to get your sense of where it's going, where you think it's going, what the rest of us should be trying to do about it. Merci, Stephen. Je pense que
ce que nous a dit de très éloquemment Renaud Girard mérite un peu de réflexion. Quelles sont les implications de ce que vous nous dites? D'abord, la laïcité. Alors, je crains que nous soyons complètement manipulés dans la définition de cette laïcité. Au nom de la laïcité en Syrie, nous avons des crimes de guerre, nous avons l'utilisation de l'arme chimique et nous avons la destruction d'un pays par une dictature qui ne partagera pas le pouvoir. Donc, il est tout de même essentiel de commencer par dire quelle laïcité on veut. Moi, laïque, démocrate, je ne souhaite pas que le terme de laïcité soit associé et acquiert une telle réputation, puisqu'en son nom se fait la pire des politiques confessionnelles et la plus violente. De même, l'agitation de la fibre anti-islamiste nous conduit à des conclusions qui sont très risquées, à mon sens. Je crois que ce que nous avons en Syrie, parce que dans ce que vous nous dites, il n'y a pas de solution que vous proposez, il y a la critique. En ce qui concerne la France en particulier, la France a pris les positions les plus dignes et les plus convenables et la plus cohérente. Le problème n'est pas qu'elle s'est trompée. Le problème est qu'elle n'a pas eu d'alliés fiables dans cette politique et que seule, dans le terrain syrien, il était très difficile d'avoir une politique qui puisse véritablement changer la donne. Le problème était que nous avons eu une politique occidentale très peu cohérente, c'est un fait. Il fallait faire certaines choses à un certain moment, elles n'ont pas été faites, la situation s'est compliquée et plus la situation se compliquait, plus toute action devenait risquée. Et plus nous attendrons et moins nous aurons de bonnes solutions. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de toute évidence traiter le problème djihadiste en Syrie. Oui, c'est la priorité de tous et des démocrates syriens également. Mais traiter le problème des djihadistes nécessite une approche autre que celle de compter sur Bachar el-Assad, qui est à l'origine de l'encouragement de ce courant. Sachez qu'il fait la guerre systématiquement et personnellement et individuellement aux opposants démocrates. C'est cela qu'il envoie faire tuer individuellement, assassiner chez eux, parce qu'il représente la menace la plus grave pour lui. Donc nous sommes devant la nécessité de sortir d'extrémismes qui se nourrissent l'un l'autre. La donne est simple si on la regarde ainsi, et je crois que ceci est imparable. On ne peut pas dire autre chose qu'il n'y avait pas de djihadistes en Syrie lorsque cette révolution a commencé. Elle était démocratique. En se militarisant, elle a reçu des financements extérieurs. Ces financements extérieurs ont été en large partie en provenance des pays conservateurs, musulmans, à tendance islamiste, et les réseaux privés ont joué, plus que les gouvernements encore, dans le sens d'alimenter les réseaux plus islamistes, plus fondamentalistes, qui ne conviennent pas à la Syrie, c'est clair. Donc nous avons évolué dans une direction qui n'était pas souhaitée par 90%, 95%, 99% des Syriens. Mais le meilleur allié des djihadistes, c'est la violence, celle qui a été introduite par Bachar el-Assad. Et le meilleur allié aujourd'hui des djihadistes, c'est le chaos. C'est donc pour cela que, personnellement, et je ne suis pas la seule, parmi les démocrates syriens de l'opposition, nous souhaitons Genève, nous souhaitons la négociation politique. D'ailleurs, nous l'avons toujours souhaité, elle n'était pas possible. Aujourd'hui, s'il y a un consensus, il faut aller à Genève pour plusieurs raisons. La première, c'est que les démocrates retrouveront un terrain d'action qu'ils n'ont pas aujourd'hui.
parce qu'ils l'ont perdu. Deuxièmement, parce que pour Bachar el-Assad, je pense que la plus grande menace, c'est de se retrouver en face des démocrates de l'opposition. Des opposants démocrates, c'est très dangereux pour lui. Alors, lui, à la table des négociations, c'est non. Il est aujourd'hui caractérisé par le Conseil des Nations Unies, le commissariat aux droits de l'homme, comme un criminel de guerre. Madame Navi Pillay vient de dire les enquêteurs qui travaillent depuis 2 ans ont amené les preuves qu'il est personnellement impliqué dans les crimes, qu'il a personnellement ordonné des crimes. Donc, il n'est pas envisageable que l'opposition s'assoie avec M. Bachar el-Assad. Mais une délégation nommée par lui, ça va de soi, elle viendra du côté du régime. Comme il n'était pas envisageable que la France du FLN négocia, enfin la France de De Gaulle négocia avec le FLN qui avait assassiné un couple d'instituteurs en commençant en novembre 1954. Je veux dire, il faut négocier. Bien, avec laissez-moi finir. Je crois qu'on n'est pas en désaccord. Et personne n'envisage la présence de Bachar el-Assad à la table personnellement. Ce sera les gens qu'il nommera. Donc le problème ne se pose pas en ces termes-là. La question qui se pose, c'est quel est le contenu de Genève 2. Je crois qu'il y a, pour rendre Genève 2 possible, nous avons besoin tout d'abord de la coopération active et de bonne foi des pays de la région. Nous avons besoin que les combattants étrangers quittent la Syrie, tous les combattants étrangers. Du côté du régime, vous savez peut-être, mais peut-être pas suffisamment, combien aujourd'hui le régime compte sur des milices du Hezbollah, mais plus encore sur des milices à caractère purement confessionnel, purement chiite, qui disent venir défendre les lieux saints du chiisme en Syrie, alors qu'ils n'ont jamais été menacés, et qui se battent pour Bachar el-Assad aujourd'hui. Ces gens-là doivent être partis du point de départ d'une négociation, c'est-à-dire le retrait de ces forces-là. De l'autre côté, les djihadistes, tout ce qui est alimenté de l'extérieur, tout combattant étranger, doit prendre quitter la frontière. Ouais. Okay. Je voudrais, en 4 points simplement, terminer sur Genève. Ouais. Genève 2 doit être fondée sur un document qui est celui de Genève 1. C'est à peu près ce que nous avons de plus convenable, de plus acceptable, qui n'a pas encore été accepté par le régime, mais qui est revendiqué par l'opposition comme une base acceptable de négociation. Il faut que les armes s'arrêtent. Les armes étrangères qui sont fournies à la Syrie de part et d'autre doivent s'arrêter. L'Iran a un rôle essentiel, fondamental à jouer pour être bienvenu à la table des négociations en reconnaissant Genève 1, en demandant le départ des combattants étrangers et en interrompant le flux des armes. Il en est de même de l'autre côté. Je tiens absolument à insister sur le fait que c'est absolument symétrique comme exigence. L'opposition devra conduire dès maintenant un dialogue soutenu avec les groupes armés sur le terrain. La solution qui leur est présentée, le choix qui leur est présenté est ou bien vous acceptez d'entrer dans un processus ou d'obéir à un processus diplomatique, politique qui conduira à une solution négociée, à un compromis, ou bien vous serez combattus comme des forces terroristes. C'est aujourd'hui cela qui est sur la table. Il faut un groupe politique qui sera ce gouvernement de transition, qui ne peut pas être Bachar el-Assad lui-même, mais qui peut être un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition aura pour mission première de combattre les djihadistes. Mais il faut d'abord définir qui sont ces djihadistes, qui acceptent de rentrer dans le processus et qui en sera exclu. Et enfin, je voudrais dire, l'élection de 2014 est une élection qui tombe dès l'instant, elle n'existe plus, dès l'instant où le processus de négociation s'engage et que se constitue un gouvernement de transition. Donc l'argument qui dit les élections de 2014 trancheront, il ne tient plus puisque le gouvernement de transition doit mettre un calendrier nouveau pour la période de transition et personne ne peut tenir une élection en 2014, pas le régime, pas l'opposition, pas de candidat, pas d'élection du tout. Merci. Merci Basma. Merci.
I mean, this is the subject that touches many people here. I think of at least four journalist friends I know who have disappeared inside Syria, trying to describe it to all of us who sit outside safely. So anyway, I have nothing that isn't banal to say here. So I'm going to turn to Egypt. Mona Makram Ebaid is a former senator. She's been advisor to the military. She was in Tahrir Square to begin with. She's been pushing for democracy and human rights. She lectures at the American University in Cairo. And I hope you will give us an idea of whether you think in the end the military is bringing Egypt somewhere where the world needs it to be, or whether the world has been craven or cowardly in the face of yet another military coup, in the face of a democratic movement. Thank you, Steve. I have reservations on military coup. This was not a military coup, although it appears to be, but this was a popular impeachment where 30 million people, or 17 million, as you say, in the West, have taken to the street to oust a president that has failed his mandate and that has violated every sense of human rights. Now, the question is the struggle for Egypt's future over? I will say no, it is not over. And if the Islamist regime has collapsed before it could become an irreversible theocracy, political Islam is still with us and will remain with us. How do we deal with political Islam? That will be the real challenge in the coming days in the future. Now, what we must remember is the overwhelming support for the popular impeachment from the people of Egypt. And that's what the West is unable to understand. How can you support a military regime after you have fought for 30 years, maybe, to have a civilian one? Well, because the civilian one was a disaster, this is one. And the second thing is that, unfortunately, the military who's taking over is very popular. And he has immense support. He's looked upon as the savior, saving Egypt from the brink of chaos, saving Egypt from civil war. And, of course, if he runs for election, he has refused until now. I don't know until when he's going to refuse. But if he does run for election, he will be elected with no competitor. This is what we believe. Now, is this a good thing or a bad thing for Egypt? We know perfectly well that the military are not the sons of Mother Teresa. But they have enough popularity today to be able to impose on the people the difficult decisions that have to be taken, that Mr. Massoud has spoken about, which is in the economic realm. How can you do anything today? How can you, when the country is so polarized and when there is a feeling of revenge somehow? Now, where are the Muslim Brothers and all that? The leaders are in prison, but the rest are there. Are they going to be included? Yes, those who have not committed crimes, those who have not incited crimes, can participate in the political life and on the in the échiquier politique, as they call it. So I believe that in the next elections they will participate. They might participate as independents, they might participate with another party, but they will participate. Of course, their popularity is totally lost, as they had 2 years ago. And the people who are fighting them today are not the army or the government, but the people themselves, who have been utterly, you know, their bestiality, the brutality that has taken place during this whole year is just unforgivable.
So people are not ready today, either for national reconciliation, as many of the West are pressing, or for inclusion. There's no inclusion now. They do not want to have a dialogue because they themselves are rejecting the dialogue. So there is no point in having any dialogue with people who are rejecting it and who are insisting to have daily crimes and violence against the people of Egypt. Now, there is one thing that the West is unable to understand, is that the Egyptian military has been entrenched in a critical and difficult fight in Sinai, and this is daily, against major terrorist cells which were allowed to establish a major stronghold during the one-year rule of the Muslim Brothers. This reality directly jeopardizes both Egyptian and Israeli national security and threatens regional stability. Now, another point of concern in the West is the new rapprochement with Russia. And I think this rapprochement was forced. Of course, the Syrian tragedy and the Syrian outcome has allowed Russia to come back again. And their only stronghold was Syria before. But the refusal, the suspension of military and financial aid to Egypt at the time when the military is fighting the war against terrorism has allowed, of course, the Russia to come back the next day, in fact, and to offer its services. Now, what is the position of Egypt? Egypt's relationship with the United States is a priority. It will never give it up. It will never substitute it for any other country. But today, it is forced to broaden its allies, to broaden its friends, let's say, and to guarantee their security needs in the future. So there is no need for this concern. But we should not also forget the position of the Russian church, which is gaining a lot of influence among the Christian populations in the region. As you know, the Christian populations in the regions have been the target of violence. In Egypt, 80 churches have been torched and ransacked. Many individual Christians have been killed just because they were Christian. So the new rapprochement with Russia should not be seen as a pivot away from Washington because, as I said, the relationship has always depended on military and security cooperation. But this partnership, to use it as a bargaining chip to shape Egyptian domestic politics, is totally counterproductive for both the interests of both countries. Now, what is to be done? First, the youth. As somebody said today, the youth, the youth, the youth. Jobs and what they were asking for. And I remember what they asked for before the revolution. They used to say, a voice and a job. And that's exactly what they still want today. So the second thing is to prevent radicalization at the grassroots. And this is what we are scared of, is that the Muslim Brothers will resort to even more violence if they feel totally excluded. That's why I say that those who are not guilty of crimes committed during these past 2 years should have a role to play. Third thing, of course, is the economic reform and income distribution, as Kamel Darwish has so incisively mentioned, is paramount, because one of the main slogans of the 2011 revolution was Aish. Aish means both bread and life. And life meaning improving people's lives. Now, as for democracy, yes, 2 minutes. 1 minute. 1 minute. Okay. As for demography, yes, and Egypt is increasing by 1 million every month. We're already 90 million, so I can give you an idea what we will be in 10 years' time. Teach women. There is no other solution but the education of girls and women.
Otherwise, there is no solution in this region. And for Egypt to advance is to go back to the slogan of the 1920s, and that was, religion is to God and the homeland to all. Otherwise, no future. Thank you. Shukran Mona, so Shukran Akhtir. So this is a good segue to Russia, because we've brought up Russia. Sergei Karaganov, I think you all know, he's one of the best interlocutors between the puzzle mystery of great Russia and we humble people in the West. So part of the question, some people think Russia's emerged something of a winner from the problems of Syria, that its policy has been more consistent than many. Some people are less convinced. So what does Russia really want, Sergei? Well, first of all, we were, of course, the winner, if there is a winner, because the policy has been competent. It's as simple as that. I mean, we knew what was happening in Syria, around Syria, and we act accordingly. And we told our friends all over the world, I mean, please do the same politics. Unfortunately, the politics which were done by others were incomprehensible, on the verge of being insane. This strengthening of Russian positions is simply a profit of sane and productive behavior, if you could have a productive behavior in a situation like that. While I'll be happy with the position of my country in the area, we are friendly with Israel, very friendly. I mean, we have differences. We have good relations with Iran. We have excellent relations with many other countries. We are strengthening our position at the margins, of course, in Egypt. I must say that my advice to us all would be not follow the Russian way, but just try not to redo the mistakes which we have been doing. And the policies of us all, including Russia's or the Soviets, have been completely counterproductive. First, we believe that, I mean, this area is still the area of the big game. And even now you see that there are remnants of the big game. Then it was confrontation of the Cold War. Then it was believed, this area was believed to become the reserve of Western democracy, which is funny. It is not reserved for Western democracy. There will be no Western democracy in my lifetime, and I hope to live long. And it's not, the problem is that the problems of that area are obvious. They're cultural, demographic, they are educational wise, there are problems with identity, there are problems of the economies lagging behind because of many of other problems. And the area will be unstable or worse for decades. So what is to be done by outside powers if we could draw the lessons? First, do not intervene. Because, I mean, our interventions have hampered the development of the area in the positive directions. Soviets devastated Afghanistan. Soviets and Americans, with some help from our European friends, supported an unbelievably ugly war of Iraq against Iran. We even closed eyes to the fact that Iraq of Hussein murdered tens of thousands of people by chemical weapons then, by the way. And we consider ourselves to be civilized people. And now you want to Iran to trust us all. Do not do things which you have done in Libya. I'm sorry, I'm in France, but Libya has been not a very pleasant country, but it was run, and it had the best social system in the area, and now it is a territory falling, which has fallen apart. It's a failed state, which spreads instability and weapons. So
One thing is stop intervening. I mean, second thing is help them to help the people in the area, the peoples in the area, to build up dialogues and security system. There is a huge security vacuum and void in this area. Third, I mean, stop ostracizing Iran. That is the worst mistake of the international community over the last several decades. Iran, we know why it happened, but Iran is one of the most well-educated, one of the most responsible countries in the area. I could give you another example. Of course, defensively, it supported all kind of Hezbollahs, but of course, being attacked, and of course, it moved or is moving. I don't know as of yet whether it has stopped towards maybe a nuclear weapon or some semblance of a nuclear weapon because it is constantly threatened. However, I mean, our Russian experience with them has been that they have been playing very constructively in calming crises in the former Soviet Central Asia. They have been quite constructive in calming crises in the Caucasus, which is and including in Chechnya, but also others. So they should be looked not as an enemy, but as a potential partner and a force for stability in the area, which will be getting unstable by that more and more stable by definition. And as you are nodding, I do not suspect you that you are agreeing with me, Steve. I am finishing. So I mean, the advice would be stop acting as if we are children playing with fire, or elders trying to replay the games of our brilliant past. We had never had a brilliant past. So let's act as if we're adults, realistic ones. Thank you. Sergei, let me ask you a very quick question, which I hope you'll give a very quick response to. Is when Obama decided to go with Lavrov and work on chemical weapons in Syria, it doesn't do much to end the war, but does it, in your view, implicate Russia in a solution? Is it promising for that reason, or do you think it's not important? Well, I think that Russia is, of course, in a way implicated in there, and we have a moral and political interest in getting the solution. That is clear, but we had that from the beginning, I must say. We did not have a war. We didn't want a war. That was the main driving force of our policy, because we knew that a new war would be a new ground for multiplication of terrorists, which are, by the way, very close to our borders. So we wanted to stop, I mean, the deterioration of the situation, and in a way, we helped, though, of course. I mean, those who want to oust Assad are not happy, but we are in there for stability and not for revolution. Okay. I don't think you wanted a war, but you're also not in favor of regime change much either. Well, yes, we are a counter-revolutionary power. We have had regime changes twice in the previous century. Once, I mean, it cost us about 60 to 70 million people. Right. I mean, when Democratic Revolution of February 17 brought up a regime change. Right. Lots of lessons. I think everyone knows Elizabeth Guigou. She's had a very varied career. She's had some of the highest positions in the French state. She's currently the head of the Foreign Affairs Committee of the Assemblée Nationale. And I've asked her to do a very difficult thing, which is to try to summarize where we are, with a concentration, in my view, I think, on strong French national interests and the French willingness to take action on the ground, often militarily, but also in terms of aid with Syria in ways other countries haven't done. I've been very struck, for instance, that while the United States and Britain suspended aid to the Syrian opposition, France has not done so. So perhaps, Madame Guigou, you can put us into context. Merci. Le micro.
Merci à Thierry Membrial de m'avoir invité à participer à cette réunion. Bon, je vais peut-être commencer par dire sur quoi je suis d'accord avec chacun des orateurs précédents. D'abord, je pense que la situation économique est quelque chose qui est absolument fondamental. La révolution en Tunisie a commencé sur un désastre économique et social, et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Ensuite, je dirais à Renaud Girard que s'il y a un point, un seul, je veux dire, sur lequel je suis d'accord avec son analyse, c'est que je pense qu'on n'aurait pas dû fermer notre ambassade à Damas. Pour le reste, je suis plutôt d'accord avec Basma, même très d'accord avec son analyse, à vrai dire, sur la Syrie, mais je vais y revenir. Je crois, madame, que vous avez tout à fait raison de dire que l'éducation, en particulier des filles et des femmes, est absolument fondamentale. Et à vous, monsieur, parce que là aussi, j'aurais beaucoup de désaccords à manifester, mais je suis assez d'accord avec votre conclusion. Je pense qu'il faut, il faudrait davantage de dialogue, notamment entre l'Europe et la Russie. Je pense qu'on se fourvoie actuellement, mais j'y reviendrai peut-être, notamment dans le management de ce qu'on appelle, nous, le partenariat oriental. Alors, une fois que j'ai dit ça, sur la Syrie, d'abord, c'est vrai, ça a été, pour moi en tout cas, une surprise d'apprendre que les Américains et les Britanniques avaient décidé de suspendre leur livraison d'armes non létales à l'opposition syrienne. Mais je note que c'est dans le nord que la France n'a pas décidé pour l'instant, ça peut changer, car nous sommes très vigilants évidemment, de suspendre ces livraisons d'armes non létales, mais il est vrai que nous intervenons c'est localisé dans d'autres zones. Alors, tout ceci peut tout à fait évoluer dans les prochains jours. Je crois que nous avons vraiment intérêt à continuer à soutenir l'opposition démocrate syrienne. Pour avoir reçu à l'Assemblée nationale tous les dirigeants de cette opposition démocrate depuis maintenant un an et demi, nous avons parfaitement conscience, évidemment, de leur faiblesse, de leur... quelquefois de leur difficulté à se mettre d'accord. Et pourtant, je crois vraiment que la diplomatie française a eu raison de soutenir cette opposition démocrate dès le début, car ce n'est pas elle qui a pris les armes, et que c'est la seule voie possible. Car si cette voie-là ne marche pas, et peut-être qu'elle ne marchera pas, moi je ne suis pas très optimiste quand même en ce moment, à ce moment-là, qu'est-ce que nous aurons ? Nous aurons la confrontation terrible entre un régime qui a quand même utilisé des armes chimiques contre son peuple, ceci est avéré, a été démontré, et d'autre part des djihadistes. Et nous ne voulons ni de l'un ni de l'autre. Alors, naturellement, il faut que ça passe par une issue politique. Je pense que la menace de frappe aérienne sur l'arsenal chimique a tout de même conduit, et la Russie a réussi un tour de force diplomatique, je dois dire, en prenant cette initiative, qui était d'ailleurs quand même en discussion, enfin c'est la Russie qui a pris l'initiative, de demander à Bachar el-Assad de démanteler son arsenal chimique. Ça progresse, tant mieux, j'espère que ça ira jusqu'au bout. Et il y a tout le reste, et tout le reste de la guerre, qui quand même... a fait presque 200 000 morts, 6 millions de personnes déplacées. Ça ne peut se résoudre que par la négociation politique. Alors, est-ce que Genève 2 va se réunir finalement ? On sait tous les obstacles qu'il y a à surmonter. Il faut d'abord se mettre d'accord sur l'objet de la conférence, c'est-à-dire les principes agréés déjà à Genève 1 par tout le monde. Et puis, il faut savoir si les grands pays de la région pourront être associés. Moi, je le souhaite.
Nous en parlions avec M. Ahani à la Commission des affaires étrangères il y a 2 jours, puisque nous avons entendu. Moi, je souhaite que l'Iran puisse être à la table des négociations. Parce que si l'Iran y est, ça veut dire que l'Arabie saoudite aussi, et donc nous avons les grands pays, peut-être d'autres encore, qui sont autour de la table. Mais pour ça, il faut évidemment quand même qu'il y ait un minimum d'accord préalable sur l'objectif de la négociation. Bon, pour l'instant, c'est encore en discussion. C'est pas, bon. Et puis par ailleurs, il faut que tous les membres des 5+1, y compris les Américains, acceptent. Hein. Bon. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, si cette conférence enfin se réunit le 22 janvier comme c'est prévu, il faut qu'elle réussisse. Bon, car je ne vois pas d'autre voie possible que d'avoir une transition politique qui n'inclut pas naturellement le principal dirigeant actuel, même si, et qui ensuite devra déboucher, bien entendu, sur des élections et sur un autre pouvoir. Bon. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tous les scénarios sont absolument horribles. Hein, du risque de la partition de la Syrie, qui serait une régression formidable avec toutes les répercussions qu'on peut imaginer sur les pays voisins, qui déjà souffrent énormément de l'afflux des réfugiés, de l'exportation naturellement du conflit, à une interminable guerre civile. Enfin, c'est évidemment. Donc, je crois que vraiment, la seule position cohérente, c'est de faire tout ce que l'on peut, sans garantie, encore une fois. Je ne suis pas très optimiste, je dois le dire, à ce stade. Ma deuxième remarque sera sur l'Iran. Je crois, moi aussi, évidemment, l'Iran est un grand pays, une grande civilisation. Je pense que dans le passé, on n'a pas suffisamment offert à ce pays une vraie discussion sur le rôle que l'Iran pourrait jouer dans la région. Il reste que ces dernières années, à la fois sur le nucléaire et sur des déclarations vis-à-vis d'Israël, les choses quand même étaient devenues inacceptables. Alors, maintenant, ça va beaucoup mieux. L'élection de M. Rouhani est évidemment un espoir, d'ailleurs, qui se concrétise par le fait que le président de la République française a été, je crois, le premier à l'Assemblée générale des Nations Unies à rencontrer M. Rouhani. M. Obama, ensuite, a eu cet entretien téléphonique. Bref, tout ça a débouché sur l'accord intérimaire. C'est très bien, c'est un événement que je crois extrêmement important. C'est quand même la première fois depuis 6 ans que l'Iran accepte de suspendre la partie contestable de son programme nucléaire, c'est-à-dire les 2 filières qui pourraient le conduire à détenir l'arme nucléaire, l'enrichissement d'uranium d'une part et le plutonium d'autre part. Donc ça, c'est un événement formidable qui a été acquis après des discussions où il y a eu quelques soubresauts. Moi, je crois que la diplomatie française a bien fait de dire que le premier texte qui avait été discuté seulement entre les États-Unis et l'Iran, et l'ambassadeur d'Iran nous a dit à la Commission des affaires étrangères que l'Iran avait cessé de demander si tous les autres étaient d'accord, mais le texte n'était pas suffisamment précis. Or, les quatre conditions qui avaient été demandées par la France, elles sont maintenant dans ce texte, vous les connaissez, je ne vais pas les détailler. Elles sont dans ce texte et donc je pense que c'est un accord suffisamment robuste. Mais ça n'est qu'un accord intérimaire. Et donc, nous avons 6 mois pour vraiment créer la confiance et faire en sorte que les choses évoluent comme chacun souhaite. Je crois que c'est évidemment un événement considérable dans la région et qu'en effet, ça peut... induire, je ne sais pas pour lier les choses, mais ça peut créer un climat qui naturellement favorise aussi d'autres évolutions. Ma dernière remarque, elle sera sur l'attitude des États-Unis dans la région, puisque la table ronde, c'était le Moyen-Orient, proche et Moyen-Orient. Je crois quand même que tous les événements récents ont montré, même si le secrétaire d'État John Kerry s'implique beaucoup plus, que malgré tout, les États-Unis ont décidé de ne plus prendre part active à la gestion des crises et que le pivot vers l'Asie est un événement fondamental et qui va durer. Ça doit... je pense que le poids de la guerre d'Irak, de la guerre d'Afghanistan, mais de la guerre d'Irak sur le retrait
stratégique. Même, regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, on n'a pas fini d'en voir les conséquences. Et ça, ça veut dire qu'il faut que les Européens s'impliquent davantage. Et moi, je salue très franchement l'action de Catherine Ashton, qui a été patiente, discrète. Elle a obtenu un premier succès au Kosovo. Là, elle a été la cheville ouvrière, on va dire, hein, de l'accord intérimaire avec l'Iran. Je crois qu'il faudrait qu'en effet l'Europe se revienne, que l'Europe sorte de son nombrilisme et recommence à se projeter dans le monde. Après tout, la mort de Mandela nous a rappelé que l'Europe avait joué il y a une vingtaine d'années un rôle leader dans la fin de l'apartheid. De la même façon que dans les accords d'Oslo, dont on a célébré le 20e anniversaire, ou plutôt pas célébré le 20e anniversaire, le 13 septembre dernier. Donc moi, je plaide pour ça. Il faut évidemment que l'Europe sorte d'abord de la crise de la zone euro, mais ça, c'est en bonne voie. Et je pense que nous avons toutes les raisons de nous impliquer davantage, d'autant plus que nous avons des responsabilités particulières en Afrique, et que, comme l'Afrique est évidemment, moi, j'ai un grand espoir, alors là, pour l'Afrique, je pense qu'il y a toutes les raisons d'essayer de faire en sorte que les conflits sanglants et les problèmes de gouvernance, eh bien, on puisse aider à les résoudre. Merci. Merci, Madame Guigou. I also have great respect for Cathy Ashton for persevering. It helped that Bill Burns was having meetings on the side as well. I'm going to take chairman's privilege for 1 second. It's a big region. Everyone talks to some degree about Israel. Israel's not on the panel. So I asked Itamar Rabinovich, who is a very good Israeli diplomat, a specialist on Syria, if he wouldn't mind saying a couple of words to us about how Israel sees the current turmoil. If you could stand up and if someone could get him a microphone. Thank you, Steve. Good evening to you all. Specifically on Syria, first, we look with sadness on a terrible human tragedy. Israel is taking in hundreds of wounded Syrians, mostly children, are treated quietly in Israeli hospitals and anonymously, and we are aware of the human dimension of this tragedy. We are also fully aware of the geopolitical importance to us as a neighboring country, surprisingly, of the five neighbors of Syria, we have been the least affected and the least interventionist of all. We've calculated that, important as it may be for us, we have no role to play in this. First of all, the Israeli, call it policy community and think tank community, like these communities in Western Europe and in North America, is divided. Some believe, as we have heard recently from the former American ambassador in Syria, Ryan Crocker, from former head of the CIA, that it's better to have, quote unquote, the devil we know. Assad will fight the jihadis. Others believe that if Assad stays in power as an ally of Iran, on the assumption that Iranian policy does not change, as an ally of Hezbollah, it may be more dangerous for Israel. In any event, we are not there to help the opposition, because if we were to help the opposition, we would play into the propaganda of the regime that has argued all along that this is not a genuine, authentic domestic revolution, but a conspiracy hatched from the outside. The only interventions that we have made, of course informally or unofficially, were pinpricks designed to prevent the transfer of sophisticated weapon systems to Hezbollah that would have been game changers that went unresponded by the regime. But on the whole, we are on the sidelines, fully aware that in a matter of minutes or hours, this could change and we might be drawn in. We believe, like everybody else, that ultimately the solution has to be political diplomatic.
But we also believe, or I personally believe, that you cannot come to a Geneva 2 or to a Geneva 3 without leverage. And right now, there is no leverage for a change because the tide of the civil war has turned after Kusair, after the chemical weapons crisis and the more recent events that have been referred to. The regime seems to be doing very well, and it is not likely to give up. So I don't have high hopes for the Geneva 2 meeting. I'm afraid that the most likely scenario is a tragic scenario of an unfolding crisis. For the next several years, Syria will remain a divided country, a failed state, the scene of a civil war. And even if the regime is successful, Assad is not likely to reestablish an effective government over the whole of the country. So, in other words, the wise policy for the next few years would not so much be a crisis solution, but crisis management damage limitation. Thank you. Thanks very much. We don't have tons of time left, so I'm going to call on a couple people to ask questions one after the other, or make a comment. And if you could keep it brief, Dominique Moisy, I have to call on you. Je vais parler français très rapidement. Il y a 3 ans, lorsque nous nous réunissions, nous étions sous l'espoir que le printemps arabe déboucherait sur la démocratie pour tous et l'état de droit pour tous. Les idées de l'Europe rejoignaient les idées du monde arabe. Aujourd'hui, nous sommes dans la peur qu'en réalité des frontières artificielles dessinées dans le sable par l'Europe dès 1916 sont peut-être sur le point de s'effondrer. Donc on est passé de l'idée que les idées de l'Europe allaient se répandre à l'idée que maintenant les frontières de l'Europe vont se fragmenter. Frontières dessinées par l'Europe vont se fragmenter. Et dans ce schéma, il me semble que le rôle des puissances occidentales a été très très négatif. Excessif sans doute dans les années 2000-2010, sans doute insuffisante depuis 2010. Et le schéma de la guerre d'Espagne revient vers moi comme une obsession dans le cas de la Syrie. Je crois que ce qu'a dit Basma était très important. Au fond, nous avons abandonné les forces que nous devions soutenir. Et ça n'est pas l'intervention en tant que telle qui est un problème, c'est que d'un côté, il y a eu une intervention qui a continué, et de l'autre, il y a eu une désagrégation des volontés et une grande confusion, à l'exception de la France. Merci, Dominique. There's a gentleman over here. If possible. Sorry, madame. Merci. Bogdan Klich, senator, the former minister of defense of Poland. I have 2 short remarks. The first one concerning what Madame Guigou said a minute ago concerning the role of Europe. We will see next week how the European Union sees its role in the future, not only in the eastern dimension, but also in the southern dimension, because the summit will be devoted to the future of common security and defense policy, the first summit during last years. I don't believe, frankly speaking, that it will be a breakthrough. It will be rather an impulse that will able to unlock several processes that were locked during last years. And the second remark concerning the refugee problems in neighboring countries. Yes, that's true that Israel is not affected by the problem of refugees, but these are 4 other countries that are strongly affected by refugees, and this is a social disaster right now. Mm-hmm. In the future, the main reason for undermining stability of the whole region. In Lebanon, in Jordan, it can be one of those reasons that can unstable the situation in those countries. My question is not about resources, because we have limited resources, but about the
second dimension of the problem of refugees. This is the problem of management. It is necessary to introduce the regional or even supra-regional framework for management of the problems of Syrian refugees. Do you have any ideas? Thank you. Well, part of our problem really is time. I've promised Thierry that we would end about now. I think we can go on for another couple minutes, but that's really all. There's a gentleman here and a gentleman in the back with his hand up, and I think that will have to be it. So I'm trying to be brief. Je suis journaliste libanais du quotidien francophone d'Orient du Jour. Je voudrais commenter les propos de M. Girard au sujet du régime laïciste qui combat les fondamentalistes. Alors, je pense que personne sur Terre n'a autant expérimenté au quotidien et n'a autant subi le régime syrien, le régime Assad père et fils que les Libanais. Alors, je peux donner de multiples exemples de manipulation d'organisations fondamentalistes sunnites et chiites par le régime syrien pour détruire le Liban, pour déstabiliser l'État libanais et pour empêcher l'opposition dans les années 90 et 2000. Ce régime laïciste, entre guillemets, créait des organisations fondamentalistes et djihadistes pour réprimer l'opposition libanaise, pour l'empêcher de s'opposer à l'occupation syrienne. Plus récemment, en 2007, ce régime laïciste syrien a créé une organisation fondamentaliste des plus dangereuses qui Fatah al-Islam pour combattre l'armée libanaise dans une guerre qui a duré 5-6 mois pour déstabiliser l'État libanais. Tout récemment encore, il y a eu une double explosion dans la capitale du Liban Nord, à Tripoli, qui a fait 60 morts et des centaines de blessés. Il s'est avéré que les exécutants, c'était des fondamentalistes djihadistes et des fondamentalistes sunnites qui avaient été envoyés par le régime syrien. On m'a mal compris. Et je crois que Basma et Elisabeth aussi m'ont mal compris. Que je sois très clair, je ne suis pas favorable à la dictature de Bachar. Je pense que d'ailleurs qu'on aurait dû peut-être aller le flinguer en 81 après qu'il eut assassiné notre ambassadeur à Beyrouth, Louis de Lamar. Je pense, j'étais monsieur à Achrafieh en 89 sous les bombes syriennes quand le quartier d'Achrafieh, qui est le Saint-Germain de Beyrouth, était bombardé par les Syriens. Et j'aurais aimé que la France intervînt pour protéger ses vieux alliés chrétiens libanais. La seule chose, et moi, si j'étais syrien, je voterais pour Basma Khodmani comme président de la Syrie. Donc que les choses soient extrêmement claires, parce que je crois que j'ai été un peu mal compris. Simplement, ce que je dis, c'est que on ne peut pas faire de la politique avec des vœux pieux. Basma dit il faut que les djihadistes partent. Je connais bien la guerre, je couvre la guerre depuis 30 ans. Je dis, hélas, Basma, tu te trompes, les djihadistes ne partiront pas, premièrement, et deuxièmement, personne ne les fera partir. Et donc, je pense que mon pays doit avoir une politique réaliste. Monsieur l'ambassadeur d'Israël a dit, nous n'avons rien à faire dans cette guerre. Je pense que la France n'a rien à faire dans l'affrontement qui a lieu aujourd'hui entre les sunnites et les chiites. C'est un affrontement beaucoup plus grand, qui va jusqu'au Pakistan. Et je voudrais simplement, pour finir, donner quatre conclusions de cette gestion, n'est-ce pas, de la France, de la gestion syrienne. Premièrement, je pense, monsieur, qu'on ne promet pas de faire la guerre si on n'en a ni les moyens ni la volonté. Après ce qui s'est passé à la Ghouta, c'est-à-dire le bombardement chimique dont a parlé Basma, qui est tout à fait horrible, nous avons, le président a dit, nous allons faire une action punitive. Or, il savait qu'il n'avait ni les moyens, puisqu'on coupe les moyens de l'armée française depuis 20 ans, et ni la volonté, puisque en fait notre volonté dépendait d'un vote ou de l'assentiment du Congrès américain. Donc il n'y avait pas vraiment une volonté. Donc ça, c'est la deuxième chose, je l'ai dit, il faut toujours laisser ouvert les outils diplomatiques, mais là, Elisabeth était d'accord avec moi. La troisième chose, je pense, c'est qu'il faut
Bien sûr qu'il faut renverser les tyrans, mais il ne faut pas renverser un tyran tant qu'on n'a pas trouvé la solution après. Et je ne crois pas qu'on ait trouvé la solution, et j'aimerais bien qu'on me la donne, parce que bien sûr qu'on aimerait tous avoir Basma Khodmani, mais ce n'est pas ça la réalité sur le terrain des gens de la rébellion à Alep. Okay, ce sont des gens à Alep, ce sont des gens qui massacrent un jeune homme, un jeune vendeur de cigarettes, parce qu'il a refusé, il a été accusé d'avoir insulté le prophète. Voilà la réalité aujourd'hui. Et la réalité aujourd'hui, c'est que les gens comme Basma qui sont à Damas, dans la banlieue de Damas, à Douma, viennent d'être pris par les brigades djihadistes. C'est ça la réalité. Et là, et donc, Renaud, je pense. Et la quatrième chose, et je vais arrêter. La quatrième chose, c'est que je pense la réalité. Et nous avons perdu le temps. And in the interest of justice, I'm je suis désolé. I'm going to give Basma the last word, and then we shall try to, if you want the last word. Si vous voulez. Je n'ouvrirai pas le débat à nouveau. Je crois que j'ai été très claire. J'ai proposé des solutions tout à fait réalistes, il me semble. Donc, je remercie beaucoup Renaud Girard de m'élire présidente de la Syrie. Mais si je suis à côté des réalités, je pense que ça n'ira pas du tout pour la Syrie. Il me semble pourtant que j'ai proposé des choses assez concrètes. Merci. Thank you to everyone. I've been a bad disciplinarian, but I think it's been a really interesting panel, and thanks for all of your patience, and I'm sorry not to get to more questions.